Esperando na poesia, aquele drama para os amigos, que lhe propôs o respeito e manque respeito vis-à-vis do langue nacional. Rama est-il premier ancien ministre art et culture, et qui vient rappeler loin, est-il premier fois qu'il est ministre art et culture. Et aussi, il est bien connu en tant que directeur collection Maurice, directeur immédiat, qui publiait collection Maurice chaque année en trois langages, en anglais, en créole et en français, et ça pendant 30 ans. Alors, il a un grand plaisir de donner la parole à Cameron Rama. D'abord, bonjour, mon camarade. Moi, j'ai envie de féliciter l'éducation pour travailler, pour votre détermination et votre grande expérience dans le combat pour reconnaissance de la langue nationale, langue créole mauricienne, ce qu'ils ont appelé KM. Moi, j'ai une pensée pour tout le monde qui fait contribuer pour qu'il quand même développer casse barrage idéologique, cette mirail précisé, cette physique qu'il esprit, faire l'obscurité, l'ignorance bourrée, ouvrir s'y la lumière pour qu'il nous langage maman capable d'envoler. Historiquement, depuis ce premier mot, cette première phrase, ce premier cri, ce premier zouré, ce premier mot d'amour, à partir du XVIIIe siècle, KM qui toujours langage ban exploité, ban classe défavorisée dans société coloniale esclavagiste. Pendant le XIXe et le XXe siècle, on a partout ailleurs, classe dirigeante, pas tient à respect pour Tidimoun. Classe dirigeante qui méprise notre langage, notre manière de vivre, notre couleur la peau. Avant 1968, complexe et précisé vis-à-vis de KM, fin continuer et pour persister même après l'indépendance en 1968. Dans une société néocoloniale. Fin et la partie politique et mouvement étudiant progressiste qui n'amène la Ligue pour reconnaissance créole mauricienne, nos langues nationales, et politiquement faire intégrer le système de l'éducation. Est-ce qui, dans l'assistance, et là, on est une manifestation qui nous appelle le 20 mai 1975. Les gens si qui connaissent, c'est la manifestation du 20 mai 1975. Maintenant, les qui ne connaissent pas, les vous êtes pour vous dire, et dans plusieurs camarades ici, à l'époque, nous organisons sa première grande grève. Pareil comme il y a une grande grève travailleur dans le pays Maurice. Et dans la grève, que tout travailleur, tout secteur étaient, parce qu'il y a une revendication. Pareil, en 1975, l'équipe camarade, l'université, avec Ban Zen, étudiant, Form 5, Lower 6, Upper 6, dans presque tout collège Maurice. Nous appelons ça coordination étudiant. Et là, nous organisons depuis février 1975, nous organisons la grève pour revendiquer d'abord décolonisation du système d'éducation. Deuxièmement, pour reconnaissance langue créole mauricienne. Troisièmement, l'éducation gratis. Quatrièmement, pour droit de vote 18 ans. Mais au niveau de l'éducation même,
nous avons envie d'un système égalitaire. Parce qu'à l'époque, et ça a continué pendant des décennies, il y a un collège qui est en grande classe pour 30-40 élèves. Et non, il y a une maritime classe pour 30-40-50 élèves. Et non, il y a un laboratoire avec tout ça qui vise d'un laboratoire pour le composer silo, pour le composer Jesse. Et dans ce laboratoire, tu en bas là-haut. Et non, pas dans l'espace en haut classe. Pas dans la cour, pas dans le terrain de jeu. Pas dans le. Et non, tu es dans l'île. Tu es dans une inégalité. Et Zénès, 1975, tu combats l'inégalité et tu trouves, tu t'en dis. Hier, je me rappelle mon camarade qui est ici présent. Et Jimmy, tu peux mentionner qu'il n'est pas vraiment content d'apprendre qu'il est dans ma zone, qui parle les mondes, qui sont aussi dans ma revendication. Oui, je ne peux pas dire qu'il est dans ma zone, mais dans ma revendication. Mais moi, mon appréciation critique, c'est qu'il y a trop de petites zones qui ont conscience par rapport à mon problème de société. Et moi, il y a trop de petites zones, je ne peux pas dire qu'il est dans les trop de petites zones qui. Et non, un idéal. Pour moi, nous tiennons à l'époque. Nous tiennons l'idéal. Comme parmi nous ici, nous tiennons l'idéal. Quand nous avons l'idéal, Manzénès, nous faisons la tête, les pieds pour nous réussir à atteindre nos objectifs. Et il implique qu'on nous croit dans le combat qui nous disposait à exposer. Moi, je participe à Special Branch. Moi, je considère Special Branch, c'est-à-dire, c'est un bouquin d'un AU. Et moi, je suis dans un AU. Et après, ouais, I wanted something new. C'est la seule phrase en anglais qui me dit à penser de l'Église. Moi, le premier d'ailleurs, qui nous créons le Mauricien, tout le monde est conscient, créons le Mauricien en Jacques-Allemagne. C'est la même chose. Mais, juste pour dire ça, qui, comment dire, quand nous croyons, nous disposer, nous parer, par fonte, répression. Prison, premier parmi nous, on fait prison. On fait prison en 78, mon corps, après. Je vais dire avec tout ça, mon camarade qui a organisé, nous dans la prison, ça fait crier. Vous vous rappelez, Fanny? Et Nassoul, sous maman, sous la voix de ma fille. Oui, je fais une manifestation pour augmenter son ticket de bus. Plus, ouais. Plus que 3000 dimoun. À l'époque, tout le monde manifestation à eux-mêmes, depuis 77 jusqu'à 81. Moi, un petit peu, dirige toute manifestation avec mon pouvoir. Et c'est comme ça. Et cette fois, nous allons fermer sur public order. Public order, pénal à main. Ou coupable, pour aller dans le cachot. Prison, je gagne 3 mois, mais tu es obligé dans nous, après des semaines, parce que ma militance, tu ne sais pas tout le monde. Tu es obligé là où nous, vers la Bolomram-Boulam, faire André Robert, président de la commission pour voir en grâce, et diététiquement pour faire cette là. Bon, c'est comme ça. Bon, nous revenons là, ça, qui fait une cause à petit bout. Mais 75 ans, parce qu'il est dans Zénès et il y a un camarade qui est du monde connu. Donc il y a un rôle qui nous a mené et il y a l'article qui nous fait écrire, plusieurs camarades, moi, Jocelyn Changlao et tout, Nikhil Tribouin, avec plusieurs camarades qui participent dans l'article, la Gorson, Sabine Martin, Natacha Sitalou, Tifi Gorson, avec tout. Ça qui participe dans l'organisation et dans ma manifestation, le 19 mai d'abord, on va dire de réclame le 19 mai, lundi 19 mai, et mardi 20 mai, c'est une grande manifestation. Alors, quand MMM dans l'élection municipale en 1977, tu commences cause en créole mauricien, aussi dans le conseil. Contrairement à ce qui, je vous dis, Sylvain Michel dans le mauricien qui écrit, qui Kader Bayat, c'est l'autre maire qui t'y écrit, qui t'y cause en créole dans le conseil. Non. Premier dimoun pour cause en créole mauricien, il y a une cause qui dit rendre à César ça qui appartient à César. Premier dimoun qui cause créole mauricien dans le conseil municipal pour lui, c'est moi. C'est un choix qu'il faut faire. Et puis, première motion qui me mettait dans le conseil, c'est honneur. Adolphe de Plevitz, qui personne n'a pas gagné poil pour honorer jusqu'à 1977. Adolphe de Plevitz, mon camarade connaît,
c'est un dimoun qui dit propriété un petit établissement, mais il est solidaire avec baiser qui les autres labourer, qui peut ramasser dans les autres établissements. Il fait un mouvement pour signer une pétition et il pourrait battre, maintenant pour organiser, mal oligarche, mal propriétaire pour organiser, pour battre. Et dimoun qui fait tirage au sort dans la forme mauricienne, je fais cause en 1882, voilà, 1882. L'avocat, Henri Laboquer, qui a une cravasse, pour bien prêter pour battre. Laboquer a décimé dans le pays là, ce qu'a aujourd'hui. Dans le bassin, Henri Laboquer, et dans Pierre Pierre. Pas de nom ni pour Adolphe de Prévitz. Et là, moi, je me mets à une chose, qui est la rue pour lui, vine la rue Adolphe de Prévitz. En fait, vous pensez, c'est tout ça lié avec l'idéal. Nous croyons dans quelque chose et nous faisons. Et nous pas qu'il est. Nous ne connaissons pas, comme dit José, il y a des mots pénants dans le vocabulaire. Un mot qu'on ne connaît pas, qui s'appelle père, la père. Nous ne connaissons jamais, nous ne connaissons pas nous comme ça. Si nous sommes dans un combat, nous ne connaissons pas comme ça, mais nous sommes bien conscients et deuxième, nous ne connaissons pas. Nous sommes capables de tenir en place tactiquement, mais après, là, nous sommes conscients. Nous sommes 5 minutes tout seulement. Et alors, quand même, il y a une élection, et. Pas juste dans municipalité, mais dans Association of Urban Authorities, président qui aurait le février, les maires Carbone, avec Tina Nanduchan, docteur Nanduchan, les maires Kirby. Nanduchan, PMSD, le février, travaille. Il y a trois MMM dans le comité là. Il y a les maires pour Bassin-Rosil, Jean-Claude Dessac, il y a les maires Marquois Phoenix, Duchan. Duchan Djamoulal, et moi, je représente pour lui. Zame mon envie d'être le maire, pareil comme Zame mon envie d'être ministre, puis l'obligement, Zame mon envie d'être candidat, je suis voté contre 11 contents dans le bureau politique à elle-même, je suis voté contre mon candidat, puis l'obligé candidat, obligé ministre de l'affaire-là, et Zame m'a demandé, Zame, régimentement, ça va de l'affaire-là, le pro-idéaliste pour caractériser. Alors, dans réunion à l'UA, des causes français, moi, mon cause, c'est le Mauricien. Objection, président, avec Dan Luchan, qui travaille sur MSD. Mais mon récause en cause, je dis, non, mon visa cause en néo-français, je dis, je ne suis pas d'appeler status, pas d'appeler. Mon conti, cause, c'est le Mauricien, je dis, non, monsieur Pounoussami, on ne peut pas vous laisser continuer en créole. Mon grand moment de document, mon levé. Comment mon levé? Jean-Claude Delestra et Duchan Djamboula, je ne pas qu'à faire tout le monde, je vais lever, je suis. Et quand je vais lever, il n'est plus une an pour un. Prochaine réunion, je vais continuer pour le monde. Bon. Et ça, un petit affaire qui s'est arrivé. Maintenant, nous causons l'eau quand classe travailleuse revendique ce droit, comme des camarades, il mentionnait bien, et remporte une victoire syndicale et politique, l'ELA, parallèlement, il y a sa combat pour. Reconnaissance créole mauricienne, il continue à avancer un peu plus vite. Alors, et moi, je vais saluer le groupe qu'il tirait le mauricien. Premier groupe qu'il tirait, ça veut dire santé organisée, qui organisait, c'est le groupe Soleil Rouge, 1975-76, qui tire proche et MMMSP. Okay? MMSP, c'est un sichon depuis MMM, avec des migrations de la campagne. Et là-dedans, il y a des camarades qui nous ont salué les autres membres, je n'ai plus parmi nous, Bam Koutayen, avec. Et. Ça. Et Bam. Non, Bam avec Rose Mendelssohn. Avec Rose Mendelssohn qui n'est plus là. Par contre, groupe culturel mauricien qui m'a créé le 1er mai 1977, le premier programme dans la cour municipalité Boca Phoenix, m'a mis un grand hommage à Sylvain Chien et Fanfan, Fanfan vétéran. Et puis, mes autres camarades, et toujours. Bon, dans Maurice, entre 77 et 90, je connais le premier groupe culturel qui prend naissance dans le pays de Maurice, dans la ville de Villas. 103 groupes culturels, c'est pour dire qui l'importance, qui la cause. Avant 1982, partir dans News, en créole mauricien, l'eau radio, l'eau télévision, nous finissons introduire ça. 10 bulletins cyclones qui tient en créole mauricien. D'abord, il commençait en anglais, après en français, après en hindoustanie et quatrième en créole mauricien. Maintenant, on dit que tient en anglais. Depuis patois jusqu'à toi. Tout ça vient là.
Je te rappelle, depuis par toi jusqu'à toi. Je te rappelle que pendant beaucoup de temps, nous, tu donnes nos langues nationales par toi. Par toi. Mais toi, ta langue maternelle, pas qu'à dissocier les deux. Pourtant, je dis par toi. Ta langue maternelle, pas capable de dissocier depuis ton identité. Toi, pourtant, je dis par toi. Mais toi, de toi, quand tu causes ta langue maternelle, quand tu causes ton mauricien, et peine à hésiter. Moi, Rama Kouloussami, dans toute manifestation, même petit ministre, même petit conseiller, même petit président de commission, dans tout mon cause créole mauricien, mais pas juste créole mauricien, si mon collègue est à l'étranger, mon cas fait cause un petit peu anglais, un petit peu français aussi, mais tous les temps, dans toutes circonstances, et jamais mon fils n'hésitait pour faire. Alors, ça, tout ça là, c'est. Un côté, il y a respect vis-à-vis de la langue nationale. L'autre côté, il y a une bourgeois, une classe dirigeante pendant des décennies. Je tiens, manque respect vis-à-vis de la langue nationale. Mentalité bourgeoise, tu peux dénigrer la langue. Tu peux dénigrer la littérature. Dans le commencement, hein, je vais poser des années, même avant l'indépendance, avec un texte, grand texte en créole mauricien. Métier en créole francisé, et puis surtout avec sa revendication, reconnaissance, langue créole mauricienne, qualité, créativité dans nos langues, tu peux dénigrer nos littératures, nos poésies, nos santé, nos théâtres dans langue mauricienne. Mais il existe, dire ça avant tout à l'heure, je crois qu'on peut répondre dans ma question, dans ma intervention, dans ma cause, troisième partie de mon intervention tout à l'heure, mais je dis, il y a le thème d'affaires. Au niveau de théâtre, qui s'en a promis de faire théâtre? Allez, les ramener. Un seul théâtre. Bon, allez, je vais expliquer un affaire. Plus grand festival théâtre mauricien dans l'histoire, c'est août 1979. Municipalité pour lui faire festival théâtre mauricien. Moi, je suis occupé de ça, je suis élu conseiller. Ça aussi, je suis contre le candidat, il mobilise moi ça aussi. Donc, ça, quand même, il s'installe moi. Alors bref, et ça, l'histoire. 12 créations en créole mauricien. Ça quand même, vous choisir hein, pour en vivre pièce théâtre en n'importe quelle langue. D'ailleurs, immédiat, nous-mêmes qui ne produisons plus beaucoup pièce théâtre après, hein, immédiat, depuis 87 jusqu'à maintenant, plus beaucoup de pièce théâtre, mais bien sûr, majorité en créole mauricien, mais pas seulement. Anglais, français, Ingrid, Bolchbury, Boucle de la Coupe des vidéos, Shakespeare, Bloch, tout ça là, nous faire. Mais juste pour dire, au niveau créativité, au niveau, comment dire, faire du monde obligé, respecter. Quand par exemple, hier, ça qui te présente, écoute, extrait qui t'a salué, mais une lire de poème qui imprimait, vendredi, donne le prix de poésie et d'harmonique. Mais ça, c'est un petit extrait, il y a une chose très faux au niveau poésie, au niveau d'écriture, Lindsay Collins, c'est un texte. Dans collection Maurice, d'ailleurs, lui-même, il n'écrit plus de texte dans collection Maurice. Là, on arrive à 30 ans, nous, 30e titre, ce thème, ça qu'on a dit, ça c'est un thème. Ce thème, c'est Freedom, tout connaît ce que ça veut dire, et casse la scène, délivrance. L'année dernière, c'est intégrité assumée, et honesty challenge, les guerres propres. Tout ça, même, ça qu'on a choisi, etc. Juste pour dire par rapport à sa revendication pour l'ordre créole mauricien, et nous fait faire lire, je vais dire ça tout de suite là, pour me terminer là, Islam. Alors, nous visons dire qui finit la progrès. À force, pression et revendication, mais aussi par façon, nous sommes artistes. Musicien, écrivain, poète, slammer, humoriste, chercheur, linguiste, universitaire, ONG et syndicat, fin séduire nous les peuples d'abord, mais aussi fin briller à l'étranger. Un diamant du monde qui écrit aussi en créole mauricien, qui fin briller à l'étranger. Donc, au niveau du bon écrivain, il y a Lindsay, par exemple, avec Ananda Devi, qui ces dernières semaines, il y a eu des grands prix
un au niveau de la France, l'autre au niveau des États-Unis, et un Randa Lévy, il y a une collaboratrice collection Maurice, plus le président du jury là. Là, on va nous terminer là. Et merci beaucoup, mais tu as l'air dans ma question, dans mon éclaircissement, pour continuer au mot dernier point. Merci. Oui, merci Rama pour ce papier-là. Et que, comme Rama rappelle-nous, qui, après le dernier papier, nous avons un peu de temps pour débat. Ça m'a mis un peu de camarade pour respecter les temps. Alors, nous avons dit mon camarade dans la salle pour préposer une question aux différents discours qui sont là. Et que là, nous pourrons avoir une question tout de suite après le dernier intervenant. Alors, nous passons la parole à Gary Omet, qui est un militant de la LIT, l'hypogueuse de qualité document la LIT et ce lien au langage oral.